Alors, salut, 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 bonsoir, bon matin, bonne journée, dépendamment de la zone où vous êtes. Alors, vous pouvez m'écrire des plus si tout va bien, si vous m'entendez bien, si on peut commencer. Oui, vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, parfait. Alors, maintenant, j'utilise un autre casque. Je ne sais pas si le micro marche bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de notre système de paiement Global Unit Pay, c'est un système de paiement qui va intégrer et qui va être intégré dans toutes les choses dont on s'en occupe. Alors, notre slide suivante, je vous en prie. Oui, alors vous me connaissez, plusieurs de vous me connaissent. Alors, pour les novices, pour ceux qui sont pour la première fois ici à cette présentation, je suis Martial Nyozima et je suis représentant, je suis membre du Conseil des ambassadeurs, je suis vice-président du programme d'affiliation DevOpenReach. Je suis passionné de blockchain et j'ai détenu un master en informatique. Il y a quelques années, Vous savez, il y a quelques années, j'ai reçu mon diplôme universitaire et je suis entrepreneur, que vous le voyez bien. Je suis conférencier aussi. Je comprends très bien que nous avons beaucoup de représentants de tous les coins du monde et on va passer maintenant à notre slide suivante. Alors, les choses que vous voyez ici, c'est notre plan d'action, notre feuille de route jusqu'au mai 2021, c'est notre plan d'action, notre feuille de route. Et nous avons pensé à une chose, vous savez, ça sera bien de vous montrer notre plan d'action jusqu'au mois de mai 2021. Alors, ce sont des objectifs court terme que nous avons devant nous. Alors, en décembre 2020, il y avait beaucoup de travail qui a été fait. On a fait beaucoup de recherches dans le contexte des systèmes de paiement, des plateformes, des choses qui sont indispensables pour notre écosystème. Alors, l'idée est née en mois de décembre 2020. Le premier résultat du processus, c'était un test parmi les ambassadeurs, parmi les leaders des équipes. Alors, nous avons lancé un test au Liechtenstein. Et plusieurs de vous connaissez très bien que ça, c'est un pays vraiment petit, très petit, mais ils ont des régulations tout à fait diverses. En principe, au mois de janvier 2021, nous avons lancé, nous avons ouvert de banques en Lituanie. Alors, au mois de mai 2021, nous allons voir si tout va bien, si la situation est positive selon tous les plans que nous avons élaborés. Nous pensons de délivrer le support du Global Pay sur nos téléphones portables, sur nos
appareils mobiles, vous allez les utiliser facilement. Ce sera quelque chose d'incroyable. Je sais très bien, chers amis, que il y aura des gens qui vont comprendre que ça fait déjà la nuit ou le soir ou le matin. Mais quand même, ça, c'est une présentation pour tout le monde aujourd'hui. Alors, quelles opérations sont disponibles pour les Global UnionPay clients? Alors, un peu partout, c'est quoi? Qu'est-ce que nous proposons aux clients? C'est ton système de paiement. C'est ton système contemporain, moderne, c'est le futur du système bancaire. Si vous suivez les nouvelles, le marché crypto, la blockchain, tout le monde aspire à passer à la blockchain. Nous avons des technologies absolument modernes qui sont intégrées dans notre système. Et vous savez, nous essayons d'unir le système traditionnel avec le futur, avec des technologies de l'avenir. Et ce n'est pas toujours facile parce que ce que vous pensez à l'intégration du passé, ce sont des technologies lentes. Et le futur, dans le futur, on va utiliser des technologies vraiment rapides. On devra passer cette période pour atteindre nos sommets. Alors, les opérations, vous allez les effectuer avec de l'argent fiduciaire, les transferts entrants et sortants instantanés, échange de devises, vous allez faire des échanges dans le système avec des devises diverses. Et outre ça, nous avons des opérations avec les crypto-monnaies. Alors, vous allez pouvoir faire un échange, achat-vente de crypto-monnaies. Alors, peut-être certains de vous, vous aviez eu un accès ou peut-être non, vous ne l'aviez pas. Vous avez vu peut-être que à l'intérieur du système, il n'y a pas d'échange en sens propre, mais ça concerne aussi l'argent fiduciaire. Mais nous allons faire tout le maximum pour avoir toutes sortes d'échanges, toutes sortes d'opérations avec les actifs hors la bourse pour que vous puissiez acheter et vendre des métaux précieux. Dans votre système, vous allez avoir la possibilité de faire des achats-ventes des métaux, des devises, des monnaies fiduciaires. Vous allez avoir un système qui pourra conserver de manière sécurisée tous vos actifs. Alors, les clients, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir? Quels sont les avantages des clients de notre système? Alors, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez en tant que vos avantages? Alors, la première chose, c'est l'efficacité. Ce sont des services gratuits, un cabinet personnel gratuit. Et nous soutenons des applications mobiles, Android, les autres, et tous qui sont dans l'Union européenne. Ce sont des transferts SEPA, des virements SEPA. Vous pouvez jouer avec les actifs que vous avez. Vous pouvez faire sortir l'argent fiduciaire. Alors, ce sont des dépôts, retraits de fonds. Les devises de la plateforme sont USD, EUR, le franc suisse. Et vous avez aussi vos cartes de débit Master. Parce que l'accès à votre argent, ce sera simple comme bonjour, peu importe où vous êtes, à condition de passer toutes les vérifications. Et vous avez toutes les garanties de sécurité parce que c'est un système qui conforme international en matière de prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme. Alors, tout ce qui est lié avec le système bancaire et fonctionne là-bas. Alors, c'est un système qui garantit l'intégration du système Global Pass au sein de la plateforme Global UnionPay. Plusieurs de vous pouvez dire que j'ai essayé de me vérifier, passer la vérification de vos riches. Pourquoi est-ce que je ne peux pas
passer la vérification ici, parce qu'à River Ridge, nous avons notre service de vérification, notre propre service. Nous avons une équipe à part. Ça se fait manuellement. Et ici, on peut pas dicter nos conditions aux régulateurs financiers. Alors, c'est pas étonnant que nous devons passer le processus de vérification. Nous devons analyser les documents. C'est normal. Alors, lorsque vous avez votre interaction avec le système bancaire, ou bien vous voulez passer au niveau du système bancaire, tout le monde doit être qualifié pour passer la politique KYC. Ça, c'est comme à l'école. On fait nos examens, on fait des cours, on suit des cours, les examens sont obligatoires. Alors, nous avons l'intégration de la vérification de Global Pass, c'est un système international qui permet de réaliser la personnalisation, l'identification de telle ou telle personne, scanner les documents qui vérifient que ça, c'est la personne qui est devant nous. De vérifier les transactions en temps réel, non jouer leurs règles. Et parfois, c'est très compliqué pour certains pays de passer le processus KYC si vous n'avez pas de passeport international. Si vous n'en avez pas, vous faites le maximum pour en avoir. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir travailler avec ce système. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire pour vous. Mais dans ce cas-là, vous n'allez pas utiliser tous les avantages. Si par exemple, vous voudriez voir entrer à Moscou et Andrei Kovratov, et là un bon cadeau, ou de venir quand même en Russie ou en Biélorussie, Minsk, je dois vous assurer que pendant 10 jours, vous allez recevoir votre passeport, vous allez faire le impossible. Et si vous êtes d'accord que vous allez faire tout le maximum pour recevoir votre passeport, alors dans ce cas-là, vous pouvez me glisser, oui, donnez-moi un signe, je vois vos oui, c'est parfait, vous allez faire tout le maximum, vous allez détruire le monde pour l'avoir, ce passeport. Mais vous savez, pour l'instant, vous ne comprenez pas. Peut-être l'importance, la légèreté que vous allez avoir, la simplicité que vous allez recevoir lorsque vous mettiez dans ce système, vous apprenez ce système et dans n'importe quel coin du monde, vous allez faire des transferts, vous allez avoir votre compte dans une banque suisse. Je ne veux pas pousser mes idées sur vous, mais vous savez, les étrangers. Pour les étrangers, c'est compliqué d'ouvrir un compte bancaire en Suisse, mais nous, on a un système qui va vous permettre de recevoir ce soutien. Alors, vous ne devez pas se manquer cette occasion. Alors, ce qu'il faut faire, c'est votre passeport pour aller dans les autres pays. C'est pas pour nous, mais c'est quelque chose d'indispensable pour que nous puissions nous protéger. Pour ne pas avoir des problèmes avec les régulateurs, nous devons faire le maximum pour que tout soit en règle. Et outre ça, la troisième chose que vous voyez, ça c'est le confort, la facilité. Parce que 24 heures sur 24, sans jour férié, vous allez utiliser votre business model, business to business, business to client, client to client. Ainsi, vous allez faire des transferts l'un pour l'autre. Vous avez une vitesse absolument élevée de traitement des opérations. Par exemple, si vous envoyez des transferts de d'une personne à l'autre, ça c'est immédiat. Alors, s'il y a des applications mobiles à Android et iOS, la seule chose que dont vous avez besoin, c'est l'accès Internet. Et ça, c'est le soutien technique 24 heures sur 24. Avec des langues tout à fait différentes, le soutien technique qui est donné à la base quotidienne, 24 heures sur 24, on va voir des cartes différentes. Alors, les types de cartes du système de paiement Global Unity, peut-être certains de vous avez vos cartes virtuelles déjà, vous avez l'accès, et ce sont des sommes
Ça, c'est le prix. Certains prix, ça, c'est un prix de Mastercard. Et le prix qui est donné ici, c'est pas une somme folle. Alors le profit qui est généré, on va en parler un peu plus tard d'ailleurs, vous allez avoir ce niveau en tant que membre de notre communauté, lorsque vous allez avoir besoin de ces cartes virtuelles, des cartes de débit, Standard Global UnionPay, ce sont des prix. Et on le dit de manière ouverte, on est sincère, qu'avant de prendre une décision, de faire des photos de l'écran, par exemple, vous allez revenir quand même, quand il s'agit du coût, des prix, l'ouverture, la fermeture. De la carte. Vous devez comprendre clairement quelles sont les commissions. C'est comme ça. Voilà, tout est ouvert. Alors, ce sont des cartes. Ce sont les cartes qui existent dans le système de paiement. C'est notre carte Global UnionPay Or, une carte prime. Et selon notre plan, si tout va bien, selon notre plan, si la logistique marche bien. Alors, ça veut dire que nous pensons que ce mois ou le mois prochain maximum, ces cartes seront disponibles. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez le prix de la carte. Et ça, c'est 100 euros. Vous pouvez payer 150 pour tout, ou même les frais de livraison. Et vous voyez bien que vous pouvez charger gratuitement l'argent sur votre carte. Et si vous recommandez la carte à quelqu'un, par exemple, nous avons en plan bonus le Rich qui va être utilisé aussi avec le prix de la carte dans la structure. Dans votre structure, vous recommandez la carte à quelqu'un selon le plan marketing. Vous allez avoir des bonus. Alors, notre carte platine, je l'aime vraiment. Mais c'est pas tout le monde, vous savez. Si vous êtes quelqu'un qui voudrait bien avoir plus de possibilités, et avoir plus d'accès à l'argent, plus d'argent qu'on peut, vous savez, prendre dans la machine automatique bancaire, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ça coûte 300 € par mois, par année. Mais si vous payez à la base mensuelle, ça va coûter 500 € plus 30 € par mois qui doivent être payés. Et en fait, si on parle des avantages que vous recevez, ça couvre ces frais. Et un autre, devenez notre membre de notre programme de bonus. Et vous avez un magasin, par exemple, ou quelqu'un de vos amis a un magasin, et vous allez dans le magasin de votre ami ou vous allez dans votre propre magasin. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, quel magasin est-ce que vous allez choisir? Il y a deux magasins, oui. Vous avez votre magasin à vous et vous avez un magasin qui appartient à votre ami. Alors, dans quel magasin est-ce que vous allez à vous? Vous irez, mais apparemment dans votre magasin. Et si vous regardez, par exemple, les cartes qui sont proposées par les autres fournisseurs, vous savez, ils peuvent vous donner ces cartes gratuitement, sans frais, mais lorsque vous faites des conversions, ils ont des commissions. Et chaque opération, ce sont des commissions. Pourtant, ce n'est pas toujours visible parfois.
Alors, la carte, elle est gratuite, mais avec les opérations, ils ont leur commission. Alors, on ne devait pas penser que c'est gratuit. Alors, c'est pas le cas. Alors, si vous payez ici tout à l'avance, ou vous payez tout simplement, ou vous recevez tous les avantages. Et voilà, ce sont les prix. Vous pouvez voir, tout est ouvert, tout est transparent. Alors, c'est bien. Alors, ici, nous voyons. Vous vous souvenez, nous avons parlé de notre réseau, la transaction du crédit sur n'importe quelle carte. Nous devons proposer des services aux autres services. Et dès que nous avons cette licence, nous pouvons proposer ces services aux autres entreprises. Je voudrais bien vous donner le calcul simple des dividendes qui peuvent être payés par la compagnie, des revenus qui sont reçus par la compagnie. Par exemple, nous avons 1 000 utilisateurs, peut-être notre communauté à ces chiffres-là, vous voyez. Alors, en millions d'utilisateurs, imaginons qu'ils utilisent notre système. Et chaque personne a 1 000 dollars qui sont chargés sur la carte. Il y a des transferts avec ces sommes. Alors, il y a des gens qui gagnent facilement 1 000 dollars. Et vous faites des transferts avec ces sommes-là, 1 000 dollars, vous le faites chaque mois. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont des sommes beaucoup plus respectable, disons. Alors, ça va générer un chiffre d'affaires, vous voyez, 1 000 dollars par 1 million, 1 milliard de dollars. Et si, par exemple, nous gagnons 1% de cette somme-là, de ce chiffre d'affaires, hein, alors ça fait déjà 10 millions de dollars par mois, chaque mois. En ce système, c'est juste cette activité qui le fait. Imaginez que, par exemple, pensez une petite chose. Il y a des bonus de fidélité qui est payé. Vous savez, les bonus du programme de fidélité. C'est incomparable aux sommes qui sont ici. Ça va être encore une partie de dividendes que vous allez avoir. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit, si vous voulez utiliser votre magasin qui appartient à vous ou le magasin de quelqu'un d'autre, peut-être, vous savez, ils peuvent vous donner quelque chose gratuitement, mais puis après, vous allez payer quand même d'une manière ou l'autre. C'est caché, mais c'est comme ça. Maintenant, on va parler des choses qui sont là sur notre slide suivante. La vérification par le système de paiement. Il y a des gens qui ont des complaintes que ça prend beaucoup de temps, mais vous savez, en fait, peut-être c'est le cas, mais vous devez vous souvenir que nous sommes dans une période transitoire. Ça, c'est une période de changement, de transformation, qui vont se tenir longtemps. Et sinon, on regarde le futur du système bancaire. Si on analyse le système bancaire, quel elle était avant, les banques, vous savez, elles étaient contre. Et elles sont disparues. Les autres, elles ont dû changer. Et nous avons le même processus. Et croyez-moi, nous, on va être là. On va passer notre vérification, on va avoir nos comptes. Et n'essayez pas de tromper quelqu'un ou trouver des chemins autour. Ça va jouer. Ça va pas marcher. Vous savez, vous devez avoir votre passeport. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Si quelqu'un vous dit,
Vous avez dit 10 000 dollars et évidemment, vous devez recevoir votre passeport étranger. Alors, lorsque vous enregistrez dans notre système, vous avez une confirmation sur votre boîte électronique, dans votre email. Alors, c'est la première chose dont vous avez besoin. La deuxième chose, c'est votre numéro téléphonique. Après, vous devez vérifier votre image. Votre visage plutôt, vous avez votre caméra, la caméra dans votre téléphone portable, et on va vérifier votre visage tout simplement, la vérification de votre visage. Il y a une autre étape lorsque vous devez vérifier, faire la vérification de vos documents. C'est la vérification de vos documents. Et après, vous remplissez le champ quel est votre but. Par exemple, si vous ouvrez votre compte à une bourse qui est bien réglée, CoinStracking, vous allez passer toutes les obligations. Toutes les règles de la vérification. Nous, on ne demande rien d'extraordinaire. Le système va vous demander pourquoi est-ce que vous voulez ouvrir votre compte. Et ça, c'est l'ouverture de votre compte bancaire en Suisse. Et la banque a le droit de demander pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce compte. Et les gens, ils ont pas mal de problèmes avec la vérification de l'adresse. Et il y a pas mal de documents qu'on peut et à utiliser, par exemple, vos comptes pour les charges en tant qu'électricité, l'eau, ça doit être écrit en anglais. La ville, la rue. Et si, par exemple, le compte, ça compte 7 pages, ou télécharger toutes les 7 pages. Vous ne devez pas télécharger votre acte de naissance qui vont passer dans notre back-office. Vous savez, ça c'est un autre jeu. C'est un autre niveau. Ça c'est la ligue du système bancaire international et les exigences sont telles qu'elles sont. Et l'argument, le document qui prouve que vous habitez là ou là, ou le document doit être assez récent, ne doit pas être âgé plus de 3 mois. Alors, il y a des gens qui, vous savez, certains de vous nous envoyez des passeports qui sont pratiquement périmés ou vont être périmés dans 1 mois. Alors, personne ne vous donnera pas le droit de passer la frontière, tout simplement. Alors, si votre vérification et rejeté, vous allez faire la queue, tout simplement. Alors, faites ça avec succès, tout simplement. Alors, on va passer à notre stade suivante. Alors, je vous ai expliqué les vérifications. Maintenant, vous voyez ces slides. Vous pouvez faire la photo de l'écran, tout simplement. Et avant de passer à notre slide suivante, vous avez un peu de temps pour faire la photo de l'écran. Alors, qui parmi vous voudrait bien savoir combien d'argent on pourrait bien gagner avec les dividendes, non seulement avec les dividendes, mais combien est-ce qu'on pourrait gagner grâce au... Alors, les gens nous écrivent, oui, c'est bien, chapeau. Alors, la slide suivante, qu'est-ce qui est écrit là? Je veux donner des possibilités du revenu actif potentiel. Alors, le revenu actif, ça veut dire que vous devez faire quelque chose. Si vous comprenez l'importance et la valeur de ce système, évidemment, où il faut recommander ce système à quelqu'un d'autre. Et si, par exemple,
Si par exemple tout le monde investit dans ce système, tout le monde gagne et une partie nous revient. C'est comme vous allez dans votre magasin, c'est pas le magasin de votre le magasin de votre voisin. Alors on va jeter un coup d'œil sur le petit scénario. L'agent, le consultant, ce sont des niveaux. Voilà, regardez, attendez, on va voir. Alors le statut de l'agent, voilà comment on peut devenir se qualifier comme agent juste en vendant les cartes. Alors, si vous voulez gagner ce revenu, vous voulez inviter les gens à leur croissance de carrière, alors dans notre communauté, Evorich, c'est comme un centre commercial. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de magasins. Alors, Global Unipay, c'est une boutique dans notre centre commercial. Une métaphore. Je vais vous donner un exemple. En tant qu'agent, vous pouvez. Vous vous souvenez, d'ailleurs, je vous ai dit que le plan marketing Everreach, c'est peut être appliqué à la vente des cartes aussi. Et je vous ai déjà montré les avantages qui sont proposés par, qui sont donnés par ces cartes. Alors, peu importe l'agent ou autre position, vous devez quand même penser à la meilleure des cartes, et c'est la carte de platine, parce que ça, c'est une carte qui vous donne des possibilités absolument illimitées. Il n'y a pas de limite là-bas. Alors, on va analyser les situations avec agent. Alors, vous achetez vous-même votre carte, vous faites des recommandations aux autres d'acheter la carte à deux personnes. Et les autres personnes, ils achètent aussi une carte or. Alors, nous avons écrit ici 100 dollars pour simplifier les choses. Et si vous avez des, si vous voyez des erreurs sur les slides, vous pouvez nous les indiquer parce que il me semble que voilà, ça peut arriver les erreurs quand même, technique, mathématiques. Alors, notre slide suivante va nous montrer notre tableau. Alors, vous êtes devenu agent. Alors, vous vous souvenez, nous avons la promotion, notre gratin. Et vous travaillez selon le système 5 par 5. Alors, vous avez créé l'abonnement pour 5 personnes. Les 5 personnes se sont abonnées et vous vendez 5 cartes métalliques, cartes prestigieuses, et vous gagnez 40 dollars, euros. C'est pas un bonus énorme quand même, mais vos partenaires commencent à distribuer ces cartes, à promouvoir ces cartes, et plus profondément vous allez. Votre revenu devient plus élevé et on est toujours agent. On est toujours agent ici. Et nous recevons ces sommes d'agent, mais vous pouvez changer, améliorer votre statut, votre position. Alors, le sixième niveau, selon les systèmes 5 par 5, potentiellement, vous allez gagner 31 000. Vous allez avoir 15 000 personnes dans votre structure. Ça, c'est le système qui le crée. Et avant de passer au niveau suivant, on va changer notre slide et je vais poser une petite question. Qui est d'accord qu'en devenant consultant, vous savez, ça, c'est pas un chemin compliqué. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, c'est pas toujours compliqué de se qualifier comme consultant. On a parlé des cartes métalliques, vous avez montré votre structure est construite, c'est 5 par 5. Et vous savez, ici, nous avons écrit quatre agents.
Alors, vous allez avoir votre tableau ici. Et nous avons notre système 5 par 5. Vous étiez agent, maintenant vous êtes consultant. Et regardez, si vous êtes consultant, quel est votre potentiel du revenu? Alors, vous êtes toujours consultant. Alors, même si vous êtes consultant, mais le minimum que vous gagnez, c'est ce que vous voyez ici sur la slide. Mais vous devez vous souvenir que vous allez avoir une position plus élevée et votre salaire sera plus élevé. Mais vous savez, ça, c'est une situation hypothétique. Vous êtes consultant, tout simplement, sans parler de manager, gestionnaire, top gestionnaire, gestionnaire supérieur. Et ça, tout à fait réel, grâce à ce produit vraiment chaud, parce que vous allez l'utiliser dans d'autres sphères de vie, ça va simplifier votre vie. Vous comprenez que vous travaillez dans un magasin qui vous appartient, et vous faites des achats là-bas. On va passer maintenant à notre slide suivante. Voilà, c'était la fin de cette partie. Je voudrais bien vous montrer, je voulais vous montrer le potentiel de ce que nous avons. Je comprends très bien que nous avons des contraintes parfois sur notre système de vérification. Oui, ça existe, mais écoutez, nous devons comprendre qu'il y a quand même une image plus complète. Vous devez voir les choses en gros. Et lorsque nous avons des obstacles devant nous, nous devons faire le maximum pour les supérer et ne pas nous arrêter, parce que sinon, ça va influencer de manière négative notre vie. Alors, vous vous souvenez, notre plan d'action, vous vous souvenez, la phase finale, ce sera quoi? Alors, vous vous souvenez, la Bitcoin, il y a 6 ans ou 5 ans, lorsque les gouvernements de tous les pays disaient que voilà, ça c'est une pyramide, il y a quand même des gens qui ont écouté. Ils ont eu la possibilité d'acheter la Bitcoin. Et maintenant, ils voient où est le Bitcoin. Alors, l'obstacle que nous avons devant nous, c'est parce que notre système financier traditionnel, ça nous empêche. Alors, vous devez être d'accord avec moi. Il y avait des situations lorsque vous avez voulu envoyer l'argent ou faire le transfert et la banque ne vous donne pas la possibilité de le faire. Et vous ne pouvez pas passer, vous ne devez pas faire le virement, le transfert. Et la banque ne permet pas de le faire, vous devez faire des actions, des activités, des autres activités, et peut bloquer votre compte. Nous, on veut simplifier les transferts, simplifier vos dépenses. Évidemment, le chemin n'est pas simple parce que nous, on essaie de faire ce saut de notre enfance, si vous voulez, vers l'université. C'est l'école maternelle, mais vous savez, on fait un saut. Nous devons savoir que notre objectif final, c'est quand même quelque chose de plus important, plus absolument plus important. Il faut quand même laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Pour la session questions-réponses. Et Valentin, elle est là? J'espère bien que vous avez aimé la présentation. Vous voyez la vision maintenant. Et la fois prochaine, lorsque on vous demande, par exemple, votre vérification pour le pas. On va vous demander votre passeport. Vous savez, imaginez que vous allez avoir vos millions et vous allez vouloir
Voyager, ça c'est sûr. Comment est-ce que vous allez voyager sans votre passeport? Et si vous n'êtes pas prêt, vous savez, vous allez être dans le, dans les marais. Je ne sais pas combien ça coûte le passeport dans votre pays, mais ça coûte évidemment beaucoup moins que les possibilités que vous pouvez avoir. Alors, je vais jeter un coup d'œil sur les questions que nous avons reçues. Est-ce que je dois... faire le transfert de de mon argent dans le système, les comptes bonus que j'ai. Alors, tous nos comptes vont passer dans le système Global Union Pay de manière automatique. Ce ne sera pas demain, mais ce sera le cas, c'est sûr. Une question a été posée dans le contexte de la date d'expiration. Alors, ça va durer combien? Un an ou 3 ans? Ce sont des délais traditionnels, mais on devra payer des frais sur la base annuelle parfois. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, on nous écrit qu'il est prêt. Il est notre chef département Global Union Pay. Il va répondre peut-être mieux aux questions qui sont liées avec les cartes, avec au système de paiement. Il est dans la salle russe, n'est-ce pas? Alors, merci Martial. Alors, vous me voyez, non? Parfait, oui. Vous utilisez l'échelle de 1 à 10 si vous avez tout compris aujourd'hui. Tout ce qui est dit, le système paiement, comment ça marche, et votre retour, écrivez-moi. J'ai notre salle russe avec son chat et en anglais aussi. Il y a des 7, des 9. Il y a des gens qui ont écrit 11, 1000. Alors, vous savez, j'ai vraiment aimé la manière de Martial lorsqu'il parlait de tout ça. Les passeports, c'est vraiment un obstacle, mais un petit obstacle qui peut nous séparer de ce que nous faisons. Alors, pour ouvrir un compte dans le système Global Union Pay, vous devez recevoir votre passeport étranger. Il faut le recevoir simplement. Alors, là. Les vidéos seront enregistrées et ce sera aussi sur YouTube et c'est déjà sur YouTube. Alors, dans le contexte des cartes, je voudrais bien ajouter une petite remarque. Nous sommes déjà au processus de la réception des cartes. Nous avons déjà reçu les photos. Il y a des photos avec notre logo. Ça va être envoyé, mais ça prend plus de temps, malheureusement, à cause des services postaux. Martial a déjà annoncé les prix. Il y a 3 types de cartes. Chaque personne peut choisir son type de carte. Outre ça, grâce à nos partenaires actifs qui ont déjà fait l'analyse du marché, ils ont analysé les commissions des autres services de paiement, les cartes les plus simples,
Les commissions sont pratiquement les mêmes. Parfois, ça varie en pourcent là, plus ou minus. Mais vous savez, nous, on travaille quand même avec les Suisses. C'est pourquoi c'est comme ça, là. Alors, notre argent sera conservé. On va gérer notre argent. Et votre somme, j'ai une bonne connaissance. J'ai des connaissances qui ont eu un bloc dans les autres systèmes de paiement. Il y avait de l'argent là-bas, vous savez. Ils avaient de l'argent, des cryptos, et c'était bloqué. Sans raison. Et ça, c'est pas bien. C'est le mot le plus amical que je peux utiliser. Alors, nous, on garantit quand même que notre argent, ça va être sécurisé et conservé. Alors, évidemment, il y aura des questions dans le contexte de la vérification qui n'a pas reçu peut-être par certains de nos cabinets. Alors, partenaire, vous devez vérifier si votre processus est toujours en train de attente. Alors, vous devez glisser un mot dans notre service soutien technique. Alors, écrivez votre email, votre nom, votre ID unique peut-être. Parce que le mois de janvier, on l'a déjà analysé, tous les partenaires qui se sont enregistrés, tout est clair là-bas, tout le monde a déjà reçu la vérification. Outre les partenaires qui n'ont pas lu les instructions, n'ont pas vu comment ça se fait. Il y a des exemples, des gens qui ont présenté leurs documents 5 fois, 7 fois. Il y a toujours des refus à cause des erreurs. Et alors, si vous n'avez pas passé la vérification pour la première fois, pour la deuxième fois, on a fait le maximum pour travailler avec chaque personne, mais vu qu'il y a beaucoup de temps pour analyser et réanalyser les mêmes erreurs, il y a des demandes avec des erreurs, on va les analyser à la fin des fins, lorsque tous les partenaires qui ont suivi toutes les règles, toutes les instructions, après ça, à analyser les partenaires qui ont eu des refus plusieurs fois à cause des erreurs avec les documents. Alors, question-réponse. Alors, bonsoir, je n'ai pas reçu la vérification depuis 2 mois. Glissez un mot dans ton service soutien technique, votre email, votre code. Personnalisé, il y a des lettres, des chiffres, tout le monde là. Outre les cartes, est-ce qu'il y a des porte-monnaie? Ça, c'est une question. Alors, lorsque vous ouvrez votre cabinet dans notre système de UNP, vous allez voir qu'il y a des options tout à fait diverses où vous pouvez voir votre IBAN. Et ben, votre compte personnel en devise que vous aimez, ça peut être euro, ça peut être une banque en Lituanie, vous pouvez faire des transferts, des virements, c'est pas. Si vous ouvrez par exemple votre compte bancaire en dollars, on peut faire des SWIFT. Alors, ça, c'est un compte 100%, compte qui va marcher, on peut faire des transferts de l'un utilisateur à l'autre sans commission. Vous allez utiliser aussi des cartes. Comme Martial a déjà dit, il y a des cartes physiques, des cartes virtuelles. Des cartes virtuelles, c'est déjà accessible pour tout le monde. Ce qui, vous tous, vous êtes des partenaires actifs. Allez recharger. Sur votre carte virtuelle, vous pouvez essayer de faire
des petits paiements. Peut-être il y aura des versements qui ne vont pas marcher parce qu'il y a des services, des systèmes qui ne vont pas accepter les virements. Mais il y a des systèmes plus simples. Vous pouvez utiliser votre téléphone. Je l'ai utilisé, toutes les sommes sont passées. Il y a aussi l'option de passage de crypto en argent fiduciaire. Il y a des partenaires qui ont reçu des cryptos. Les cryptos sont devenus de l'argent fiduciaire et leur compte est en Europe. Peut-être c'est pas facile pour certains de vous, mais c'est faisable, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je voudrais bien demander une petite question. Écrivez-moi dans les chats, écrivez-moi des plus. Si vous avez entendu parler de la bourse Coinbase, la bourse Coinbase, vous pouvez m'indiquer des plus. Y a des gens qui ne l'ont pas entendu parler. Vous pouvez regarder sur Internet, ça c'est une bourse bien connue. Il y a des gens qui sont là, qui l'utilisent, qui ont des comptes là-bas. Mais vous savez, Coinbase, ils ont annoncé qu'ils vont aller à IPO. Et ça coûte combien? Pratiquement 100 milliards de dollars. Ça, c'est quelque chose de sérieux dans le contexte de somme. C'est une bourse qui est vraiment énorme, populaire. Ils ont bien signalé que ceux qui utilisent Coinbase, si vous avez dans votre compte Coinbase la possibilité d'ouvrir des comptes internationaux, par exemple IBAN, pour avoir de l'argent fiduciaire, des dollars, euros, francs, vous avez cette opportunité? Ceux qui l'utilisent? Certains de vous nous disent non. Et Coinbase, vous avez la possibilité de demander votre carte personnalisée pour voir une carte vous pouvez charger, sur laquelle vous pouvez charger de l'argent. Maxime, oui. Dans notre chat anglais, on nous dit non. Alors, vous voyez, et dans le Coinbase, on peut avoir la crypto et faire l'échange contre l'argent fiduciaire et gaspiller cet argent ou dépenser. Alors, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas accessibles là et nous les avons. On le dit ouvertement. Certaines options que nous avons dans Global Unit Pay, c'est 10 fois mieux que certaines plateformes. Peut-être c'est pas tellement connu. Peut-être nous n'avons pas un spectre de banques de crypto comme les autres bourses ont, mais c'est pas le seul. L'idée principale est que nous avons tout pour faire non seulement la publicité, mais nous faisons tout le maximum que notre système soit international et connu et reconnu dans le monde entier. Alors, cette capitalisation potentielle que le système peut avoir, ça va être plus élevé que 100 milliards de dollars. Compte tenu que nous avons des clients qui l'utilisent, il y aura des gens qui vont faire la publicité, il y a un programme marketing qui va être utilisé en jeu. C'est pas un mécanisme non seulement pour gagner de l'argent en vendant des cartes. Ça, c'est une somme qui va être faite une seule fois. Mais dans le programme Evorich, il y a des accords quand même. C'est aussi une possibilité de développement de la compagnie. C'est une possibilité de tenir des actifs dans la compagnie. Il y a des licences spéciales de la compagnie et c'est grâce à cette licence. Les gens, lorsqu'ils passent la registration, par exemple, ils peuvent garder son argent en or et physiquement, cet or va être au Liechtenstein. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Écrivez-moi des plus dans le chat qui voudrait bien utiliser toutes ces options
toutes ces fonctionnalités parce qu'en Suisse, ça s'appelle private banking, le banking privé. Il y a des gens qui ont des systèmes de ce genre-là et les utilisent pour eux-mêmes. On pourra les utiliser non seulement pour nos objectifs personnels, mais on va développer ça un peu partout dans le monde. Nous avons des demandes, des commandes de nos partenaires, des autres compagnies. Ils ont besoin de services bancaires qui pourront recevoir des cryptos. Ça peut unir tout, tout, tout. Ça, c'est absolument, absolument unique. Et mes félicitations à tout le monde que nous, les participants, nous sommes participants de ce système Global Green Pay, de notre système Everreach, de tout ce groupe. Alors, on va passer à nos questions maintenant. Alors, dans le contexte du système, est-ce que je peux avoir le profil de Sberbank russe? Alors, on parle du système Global Green Pay, écoutez, pas de la banque Sberbank russe. Alors, l'ouverture d'Ilban, ça coûte quelque chose? Oui, il y a une commission spéciale. Et ça varie du niveau risque. Et vous savez, des pays différents, des pays, ils ont des niveaux de risque différents. La Russie ou en Europe, ça varie. Alors en Russie, c'est plus élevé quand même qu'en Europe. Il y avait des situations négatives, peut-être. Il y a des risques quand même. Il y a trois niveaux de risque. Bas, moyen et élevé. Les Russes, vous avez la possibilité d'ouvrir les comptes. Ça va coûter un tout petit peu plus que pour les Européens. Nous, notre système, on n'avait pas d'expérience négative. Et au moment positif, vous pouvez être dans votre pays natal et vous avez la possibilité d'ouvrir non seulement et ne pas avoir des cartes tout simplement et de charger les cartes sur les devises. Vous allez avoir votre compte personnel et là, vous allez recevoir votre argent de l'Europe. Ça peut être intéressant pour les entrepreneurs. Nous avons des gens qui veulent enregistrer leur business, leur compagnie. Et c'est pas tout le monde qui cartent leur argent en tant que personne physique parce qu'il y a des systèmes divers d'impôts et les pays sont différents quand même. Il y a encore une question dans le contexte des gens qui ont été bloqués. Alors, toutes ces petites questions, vous devez m'écrire en indiquant votre nom, votre prénom, votre email et vous contactez notre service de soutien pour qu'on analyse votre cas. Alors, l'adresse en latin, en anglais, comment est-ce qu'on l'obtient? Vous savez, par exemple, vous avez votre compte mobile. Vous entrez dans votre banque mobile, vous pouvez demander un certificat de la banque parce que là, vous allez avoir votre nom, votre adresse. Et ce certificat, ça va avoir la date d'aujourd'hui. Et si vous faites cette commande et dans votre banque mobile, vous pouvez choisir la langue. Ça peut être en anglais. Ça va être même plus rapide parce que nous avons des spécialistes qui lisent, qui connaissent la langue russe. Mais quand même, si c'est en anglais, ça va être plus rapide parce que tout le monde le comprend chez nous. Alors, si on n'a pas de banque mobile, vous pouvez prendre votre compte des frais comme de votre téléphone, de votre appartement ou dans des pays différents, il y a des commandes différentes qui confirment votre adresse, votre domicile. Et ça sera votre adresse qui sera confirmée. Alors si, par exemple, vous habitez dans la ville A et vous êtes enregistré dans la ville B, vous devez montrer votre adresse domicile B. Si vous n'avez pas de documents dans le contexte de la ville A, alors
Ça vaut rien. Nous avons aussi des questions dans le contexte du prix de crue, mais ça, c'est un autre webinaire, je pense. Alors, Global Unit Pay. Alors, vos adresses, vous envoyez toutes les questions dans notre service technique, soutien technique. Là, on peut créer une sorte de liste de questions, on peut vérifier de ça. Alors, notre soutien de notre groupe de soutien. Alors, vous devez voir les instructions, vous devez voir la session questions-réponses. Et c'est après que vous écrivez vos questions. On doit revoir les demandes. On nous envoie des passeports 5 fois. Mais si le passeport, sa date d'expiration, ça va être dans 2 mois, ça va pas passer. Il y a des partenaires aussi qui nous écrivent, voilà, mon leader a eu son vérification, sa vérification avec la carte ID. Alors j'ai dû gaspiller mon temps en spécialiste et au lieu de vérifier les autres. On trouve ce leader et alors on voit que la carte ID ça n'a pas passé et puis on a utilisé son passeport, elle a scanné son passeport, numérisé son passeport. Hein. On a des situations comme ça. Alors, les questions que nous avons, qu'est-ce que nous avons en tant que questions? Alors, comment est-ce qu'on peut... avoir de l'argent en cash? Ceux qui travaillent avec nous dans Leverage, vous pouvez transférer vos bonus via le système Global Unit Pay. Ça, c'est... ton travail sophistiqué dans le contexte juridique pour éviter des problèmes juridiques, pour éviter les problèmes juridiques. Alors, vous devez montrer d'où cet argent vient. Il y avait des partenaires qui avait 100 000 dollars. Alors, vous devez indiquer que ça, c'est mon salaire ou c'est mon salaire, c'est comme ça. Vous scannez votre contrat ou le certificat de votre salaire. Peut-être vous avez vendu votre maison. Vous pouvez scanner le contrat. S'il y a des affaires, vous pouvez scanner les documents qui prouvent que votre argent, c'est légal. Les questions, où est-ce que vous voulez dépenser votre argent? Alors, si vous chargez l'argent sur votre compte, UG Payment Group, vous pouvez télécharger une voice, si vous avez d'autres buts, vous indiquez d'autres choses. On est dans la juridiction très sévère. On va vérifier tout. Les Suisses, évidemment, personne ne veut que la compagnie ait des amendes. Alors, tout ce genre de questions, il faut travailler là-dessus. Si vous ne vous êtes pas enregistré, bon moment pour vous enregistrer, c'est avoir une possibilité unique d'utiliser votre compte, le système. Alors, invitez vos partenaires aux achats des cartes et c'est simple. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez dans votre cabinet la compagnie Everreach, vous avez vos liens de référence. Chaque fois, lorsque votre partenaire peut officier
potentiel, elle s'enregistre avec votre lien de référence, elle va s'enregistrer dans le système d'aujourd'hui, paye selon ce courriel que vous avez dans votre cabinet. On a la synchronisation complète des bases de données. Chaque fois, lorsque les cartes sont achetées par les partenaires ou les autres cartes qui vont être vendues dans notre programme de marketing, vous allez avoir des points Everreach. Est-ce qu'on peut faire le paiement de Club Elite avec votre carte? Vous pouvez essayer de le faire. Peut-être quelqu'un a déjà payé le VIP Club avec la carte virtuelle? Est-ce que vous pouvez nous écrire? Nous avions des cas lorsque le partenaire avait de l'argent sur la bourse. Acheter des cryptos et puis les crypto-monnaies ont changé le prix et si le prix de la monnaie crypto a changé, a augmenté surtout lorsqu'on fait le transfert, vous aviez des monnaies crypto. Vous avez vos monnaies qui étaient dans la transaction des bourses. Vous confirmez comment vous avez cet argent, comment d'où cet argent vient pour les partenaires qui vont faire des ventes et des achats à notre bourse, l'Opportunity Exchange. Vous allez recevoir aussi d'où cet argent vient, ce revenu. Vous avez vos actifs crypto. Est-ce qu'on peut faire des transferts aux États-Unis avec notre système? Alors, vous pouvez ouvrir votre compte dans notre système en tant que personne physique ou personne juridique. Vous pouvez faire des transferts là où vous voulez. Il y a des pays où l'argent ne peut pas venir, peut-être. Je sais très bien que il y a des pays qui sont dans la liste noire, c'est l'Afghanistan, le Venezuela, la Corée du Nord, apparemment où l'argent ne va pas venir là. Alors, on est épuisé avec les questions, vous en avez peut-être? Dans notre salle anglaise, il y a des questions dans le contexte de notre carte. Qui va coûter 500 euros. Vous savez, ça c'était juste un exemple pour qu'elle est simplifiée. Il y a une question de la salle russe. Alors, le revenu de vos bourses. Alors, vous allez montrer que les documents, des photos que vous aviez, des cryptos. D'où ça vient les cryptos? Il y aura une forme spéciale qui s'appelle section 3 en russe. C'est pour confirmer les revenus que vous avez. Vous écrivez en détail d'où cet argent vient, comment vous l'avez obtenu. Vous avez vos documents qui sont joints. C'est pour ne pas avoir de problème dans le futur. Vous avez l'argent réel qui a été gagné. Vous n'avez pas d'argent noir, disons, l'argent qui pourrait apparaître grâce aux activités terroristes, c'est un système contre le blanchiment de l'argent. Lorsque vous confirmez que l'argent est correct, vous pouvez utiliser le système de paiement, vous pouvez utiliser des sommes importantes de l'argent. Chacun de vous, si vous avez des actifs, vous êtes propriétaire des actifs, vous pouvez utiliser le système de paiement. Et pour vous, ça va être une sorte de garantie de sécurité. Parce qu'à un moment donné, la compagnie a décidé de ne pas avoir des moments négatifs. Les compagnies vont utiliser des services pour éviter
un problème de la perte de l'argent. C'est pourquoi on a pensé à un autre système, à notre propre système Global Green Pay. Est-ce qu'on peut remplir le questionnaire de nouveau si on avait un refus? Oui, vous devez la refaire et ça doit être en anglais. Si vous êtes dans un pays où on vous écrit en latin, peut-être c'est l'Espagne ou l'Italie. C'est pas latin, mais c'est en anglais. En anglais. Pour tous les pays. Dans le contexte du système Quantum, on va en parler pendant le rendez-vous à huis clos. Ce sera notre samedi prochain. L'heure les bourses crypto, vous pouvez. Le partenaire l'avait, c'était vendu. On l'a vendu à Deutsche Börse, c'est la bourse allemande. On va analyser ça en détail pendant nos rendez-vous à huis clos. Alors, on n'a pas la possibilité, on n'a pas de possibilité de faire des transferts de la carte virtuelle aux cartes des banques russes pour l'instant. Alors, comment est-ce qu'on peut annuler le compte? Vous nous écrivez notre service technique, mais je dois vous prévenir, si pour une raison ou l'autre, vous avez passé votre vérification, maintenant, vous voulez effacer votre compte. Je vous prie de réfléchir un tout petit peu parce que la deuxième chance, vous ne l'aurez pas. Ou bien ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Voilà ce que vous pouvez nous dire, il y a des problèmes avec les chargements de l'argent sur la carte, c'est un problème Visa, c'est surtout avec les visas, c'est les autres achats, c'est bien, mais alors ça c'est une belle question. Plusieurs de vous, on a déjà eu cette question, on ne peut pas faire le versement via quoi qui est en système, c'est la banque qui ne passe pas l'argent. Ou clearance ne passe pas. Alors, comment est-ce que ça marche? Chaque fois, lorsque vous achetez quelque chose sur Internet, chaque produit a son code spécial. Et lorsque vous voulez acheter, par exemple, une glace, mettons, ou des produits, par exemple, des produits alimentaires, le code, c'est produits alimentaires. Si vous voulez faire le chargement sur votre porte-monnaie, acheter des cryptos, direction crypto, c'est pas toutes les banques passent ce transfert. Certaines banques disent que c'est bon, les autres disent. On n'a pas de confiance envers cette compagnie, on ne passe pas le transfert, il y a des partenaires actifs. On a déjà travaillé sur cette question. On a appelé à la banque, ces risques, j'ai vérifié deux fois, je comprends les risques, je veux que le transfert passe. Et la banque fait le transfert, ça passe. Il y avait des cas aussi lorsque les partenaires ont essayé de payer plusieurs fois, faire le chargement sur leur compte, sur leur carte. Alors évidemment, la carte, vous savez, on voit que ça, ce sont des actions de fraude. Le système bloque l'utilisateur pour 24 heures. 24 heures après, vous pouvez essayer, mais vous devez essayer avec la carte que vous voulez. Si la carte ne passe pas et on ne vous est pas dans la banque, vous pouvez essayer les autres cartes. Alors, les prix pour les cartes métalliques, métal, or ou platine, le prix, c'est 500 euros. C'est par an ou c'est pour toujours?
pour toujours jusqu'à la fin de cette carte. Alors peut-être on a manqué la. Alors, ça coûte la carte. Ça dépend de la carte. Si on parle carte or, la première somme, c'est. Si vous commandez les cartes et puis vous devez payer les frais d'abonnement. Alors, vous pouvez payer cet abonnement chaque mois. Hein, ou bien on peut faire un seul paiement à l'avance et ça va coûter moins. Alors, vous pouvez commander votre carte dans votre cabinet personnel lorsqu'ils sont accessibles. C'est déjà. On l'a déjà expliqué, avant de vous donner la possibilité d'acheter toutes les cartes, ça coûte pas. Ça coûte quand même, ça coûte de l'argent à côté. Ce sont des sommes considérables. Avant ça, on voudrait bien voir ces cartes, les toucher. Non, on attend les cartes. Il y avait des difficultés de fournisseurs, de poste. On avait des photos, des cartes or. Et on travaille avec DHL, avec notre logo, on aura nos cartes. Peut-être vous avez vu déjà les cartes normales, disons, leur date d'expiration, c'est au recto. Ici, vous allez voir votre logo seulement. Vous payez dans le resto, personne ne va voir votre. Même s'il y a des caméras dans le resto, personne ne pourra voir l'information qui sera au recto, au verso. Les photos, vous savez, on les a vues seulement dans notre messagerie WhatsApp. Et les cartes vont durer 3 ans. Alors, les cartes, on va essayer de les connecter avec Google Pay, Apple Pay. Alors, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qu'on avait. Alors, pour ne pas vous retenir ici, alors, si vous avez des questions vraiment actuelles, si vous attendez par votre statut, vous laissez un mot dans notre service technique si votre compte est bloqué. Il y a des cas de blocage lorsque les personnes. C'est lorsqu'on écrit et qu'on est en politique. Alors ces gens-là ne peuvent pas avoir la législation dans le système pour une simple raison. Dans chaque pays, il y a des règles. Par exemple, quelqu'un ne peut pas avoir des comptes à l'étranger. Ou les gens peuvent ouvrir des comptes en devises diverses. Et vous savez, avec les hommes politiques, ça va pas marcher. Vous devez utiliser les autres d'autres systèmes qui vont vous donner cette possibilité. Il y a des erreurs dans le questionnaire, par exemple le salaire. Le salaire n'est pas élevé et puis il y a 50 000 qui sont versés et ici, par exemple, vous écrivez que. Si vous versez plus de 15 000, on pose des questions. Si vous avez écrit, par exemple, que vous êtes chômeur, les questions qui se posent, tout ce que vous avez pris, 15 000 dollars, vous pouvez écrire dans votre questionnaire, ce que vous faites dans la vie. Peut-être vous êtes entrepreneur, ou vous êtes un homme d'affaires, peut-être vous avez. De l'argent que vous avez gagné avant. Vous savez, il ne faut pas vous dépêcher, il ne faut pas cliquer les boutons. Il y a des frères, par exemple, l'un des frères a dit qu'il est en politique et l'autre, il a dit qu'il n'est pas en politique.
C'est un des frères en politique. L'autre va être désactivé. Alors, on lui a posé la question, ce qu'il fait dans la vie. Et il a mal compris l'anglais. On avait des cas pareils. Et j'insiste sur une lecture approfondie des instructions. Il y avait pas mal d'erreurs, des nuances. Il faut lire les instructions. Il faut pas vous dépêcher en remplissant votre questionnaire. Et puis, on nous pose la question pourquoi la vérification prend tellement de temps. Et parfois, on voit que c'est en anglais, c'est plutôt en lettres latines, mais c'est pas en anglais, c'est en hindou ou une autre langue. Et les spécialistes ne peuvent pas comprendre ce que c'est que c'est ça, le message. Ça, c'est une grande question. Alors, évidemment, les questionnaires comme ça ont été rejetés. Faut pas indiquer que vous êtes employé de la compagnie Evorich, n'y travaillez pas. Alors, ceux qui travaillent dans la compagnie Evorich, dans la compagnie qui. Alors, ceux qui gagnent son salaire ici, nous n'avons pas de gens comme ça. Alors. Notre chat italienne, nous avons une question, combien ça coûte le compte dans Global TV Pay? Alors, vous voyez, pour passer la registration, la vérification de l'utilisateur du système, ça coûte rien. Alors, c'est accessible à tout le monde. Alors, si tel ou tel partenaire veut ouvrir un compte tel que IBAN, il doit absolument payer une somme d'argent. Et ça va dépendre de telle ou telle personne, dépendamment du risque, du groupe de risque où il est. Vous pouvez voir ça dans votre compte personnel. Alors, la chambre vietnamienne, est-ce qu'on a la possibilité de s'enregistrer? Est-ce qu'on peut passer la vérification un peu en refus? Alors, si vous aviez un refus, il faut comprendre la raison pour laquelle vous avez eu un refus. Alors, peut-être, ça peut être la liste noire, l'histoire, une mauvaise histoire. On avait des cas lorsque nos partenaires, des leaders, ils passaient des. Ils avaient des problèmes avec la loi et on leur a demandé de présenter leur certificat qu'ils n'ont pas été jugés au tribunal. Ils ont essayé quelques tentatives, ils ont changé leur nom, ils ont été bloqués tout simplement. Et il faut comprendre que. Ça, c'est tout ça, c'est sérieux. Ce sont des structures sérieuses. C'est pas le cas lorsqu'on envoie l'argent. Et puis, vous savez, vous devez me rendre mon argent. Alors, si vous avez fait telle ou telle activité avec votre argent, si l'argent est versé, et si par exemple, vous ne pouvez pas prouver que c'est de l'argent. Blanc, l'argent va revenir. Ce ne sont pas des jouets. On n'est pas dans une école maternelle. Alors, la chose la plus valable pour les banques privées, c'est la réputation et les licences. Ça coûte et c'est pas simple de les avoir, les licences. Il faut du temps et il faut de l'argent pour avoir du personnel. Des critères qui doivent être respectés. C'est pas tout à fait simple. Alors, dans ce cas-là,
Nous travaillons au champ ouvert et nous demandons la même chose de nos partenaires. Pour les partenaires, oui, pour les partenaires qui ont leur nouvelle commande, essayer de faire quelque chose. Je dois vous prévenir que il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de registrations, nouvelles registrations. Il y avait beaucoup de documents qui ont été donnés de manière qui n'était pas tout à fait correcte. Le temps de vérification, ça a pris beaucoup de temps. C'est le 4 mars. On travaille sur le mois de février déjà. Il y a des positions parfois qui reste. Peut-être que vous avez passé la registration, vous avez téléchargé votre document, votre passeport, et le passeport n'a pas passé une mauvaise photo. Vous avez votre barbe qui n'a pas permis de reconnaître votre biométrie. Savez, la photo n'est pas tout à fait bonne. Alors nous, on voit les photos qui ne sont pas tout à fait correctes. Y a une autre personne qui donne un coup de main à l'autre et cette vérification, ça ne va pas passer. Et vous savez, la personne, envoyé sa commande, sa demande. On lui répond, vous devez refaire les documents, vous devez faire ça de manière consciencieuse. Si votre caméra n'est pas parfaite, alors essayez de numériser vos documents en PDF. Nous avons cette option dans le système de paiement. Alors, Valentin, ce que vous venez de dire, dans l'avenir, les dividendes seront payés à travers le système de paiement? Une belle question. Lorsqu'on parle de la compagnie partenaire et qui s'occupe de ça, les bonus, ça va être utilisé avec leurs moyens. Les partenaires qui pourront avoir la registration, la vérification dans le système de Global Unit Pay, vont avoir l'option d'avoir cet argent, de tirer cet argent du système. Ça peut être pour les gens qui reçoivent les cryptos. Vous pouvez transférer les cryptos dans le système et puis vous pouvez utiliser cet argent. Nous avons le système Bitcoin qui travaille très bien. Nous avons l'Ethereum. Nous allons connecter USDU. Nous allons utiliser les jetons. Cru. En fait, c'est réel. La seule chose dont on va avoir ce prix, le prix va être fait sur la base des autres bourses pour avoir l'information actuelle. Une question de notre chambre arabe. On n'a pas passé la vérification, c'est Soudan. Alors, vous savez, il y a des pays, il y a des régions qui ne peuvent pas avoir la registration dans le système Global Unit. Par exemple, le Soudan. Soudan, il y a une situation un peu ambiguë en Amérique.
les compagnies qui sont en Amérique, c'est pas un problème parce que c'est la législation suisse. Il y a des nuances quand même aussi pour les gens qui vivent en Crimée, en Venezuela, au Venezuela. Pour eux, c'est pas accessible les restrictions dans le système de pays. Je peux vous dire à l'avance, ça c'est une question qui a été analysée. On travaille sur les options supplémentaires, comment on peut aider nos partenaires qui habitent dans des pays, disons, compliqués pour qu'ils puissent avoir la possibilité de participer dans nos processus qui s'appelle FinTech, le secteur financier et technique. Est-ce qu'on pourra charger le compte sur la carte American Express? Une bonne question. Dans le contexte des cartes américaines, ça passe. Et en plus, nous avons un partenaire qui a essayé de payer. Il a été vu par le Fraud Monitoring. Alors, si ça passe, c'est bien. Si l'American Express ne passe pas le paiement avec le code, avec le crypto, alors essayez une autre carte. Alors, dans le contexte des codes, essayez de voir que s'il y a des systèmes qui disent, par exemple, vous savez, il y a des gens qui achètent des légumes, entre guillemets, et en fait, ils achètent des cryptos, mais nous, ce n'est pas notre cas. On doit être transparent. Donc, on va travailler sur les options qui sont faites, mais nous, on ne considère pas de tromper les banques, les systèmes de processing qu'on vend des téléphones ou n'importe quoi, les produits alimentaires. C'est le versement de l'argent, tout simplement, avec les cryptos. Et les pays africains sont dans la liste noire, non? Dans le contexte des pays concrets, il faut nous glisser une ligne pour qu'on puisse répondre, parce que la liste n'est pas courte. Je tiens pas tout dans la tête. Pas si le pays est dans la liste noire. Est-ce que je peux commander une carte pour un membre de ma famille avec mon compte? Oui, vous allez avoir cette option. Dites-moi s'il vous plaît, c'est notre question de la chambre italienne. Le service thermique ne répond pas depuis 13 jours. Les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils doivent essayer de passer la registration de nouveau et télécharger les documents qui ont été rejetés, peut-être. Il faut attendre la réponse du service technique. Alors, oui, regardez. Pour les partenaires qui ont reçu des refus, vous devez quand même différencier les choses. Votre compte peut être désactivé. Et les questions de ce genre-là, il faut glisser une ligne dans votre service technique. C'est un refus à cause du système, des procédures. Vous n'allez pas avoir la possibilité de vous enregistrer dans Global Pay. Pour ceux qui ont passé la registration, vous avez reçu votre refus avec vos documents. Lisez les instructions pour comparer les instructions, quels documents vous avez envoyés pour envoyer le document doit être correct, tout simplement. Je vais me répéter pour les partenaires qui ont reçu des refus. Ça peut être votre questionnaire, c'est à cause de votre questionnaire ou votre adresse qui n'est pas correcte. Et ça s'est répété plusieurs fois. Plusieurs refus ont été donnés. Et alors, vos documents, on va les analyser à la fin de la queue.
Nous avons des partenaires qui attendent à partir du mois de janvier. Il y a une liste. Ça, c'est une longue histoire qui ne s'arrête pas. Alors, on devra faire des explications supplémentaires. On fait des instructions, mais ça n'a pas marché. Il y avait des instructions vidéo. Il y a un problème chez les Italiens. Les services techniques ne répondent pas. Et le partenaire ne sait pas ce qu'il faut faire. Essayer de faire quelque chose, ou bien écrire au service technique et télécharger le paquet. Qu'est-ce qu'on doit faire? La nouvelle que nous avions, vu que nous avions les mêmes questions au service technique, nous avons préparé une instruction. Vous savez, vous devez lire FAQ, section, avant d'écrire au service technique. Alors nous, on a lu les questions, mais peut-être vous devez lire FAQ, Frequently Asked Questions. S'il n'y a pas de réponse, c'est réponse, alors écrivez-nous dans notre service. Alors, on demande aussi dans notre salle italienne ce qu'il faut écrire si les gens ont deux passeports. Ah, excusez-moi, une seconde. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre lorsqu'on demande quel est sa deuxième, quel est son deuxième passeport, mais il est vraiment en seul passeport. Peut-être le système nous montre que le système, il y a des histoires, des mauvaises histoires avec cette personne ou quelqu'un qui porte le même nom ou prénom. De prouver que vous avez des documents où vous êtes. Prouver votre citoyenneté, si nous avons bien compris la question. La personne a un seul passeport, mais on demande des documents sur son deuxième citoyenneté. Alors, cette question, vous devez l'écrire dans le service technique. C'est le service technique du système. Ah non, excusez-moi, dans le système Evorich. On va vérifier les gens désactivés. Vous devez écrire votre mail, votre ID. Numéro unique. Peut-être dans le questionnaire, la personne a indiqué que vous avez deux passeports. C'est pourquoi on vous a demandé les documents dans le contexte de votre deuxième citoyenneté. Il y a des gens qui nous écrivent que le partenaire a cliqué le bouton ouvrir le compte. Évidemment, si vous voulez. Si vous voulez ouvrir un compte pour votre compagnie, vous devez payer les frais pour l'ouverture de la compagnie. Et si vous êtes auto-entrepreneur, vous ne devez pas cliquer ce bouton, tout simplement, l'ouverture de la compagnie. Alors, je vois que nous avons toutes les questions qui sont là. On a répondu à tout. Je vais nous dire, ce sont nos Italiens, j'ai fait quelques paiements avec Bitcoin dans le Global Green Pay. C'était avec Coinbase, mais une des transactions, j'ai eu un message que la transaction a été rejetée. Comment est-ce que je peux avoir mon argent? Vous pouvez écrire dans notre
Alors, vous devez écrire votre hash, votre nom de transaction, votre portefeuille, porte-monnaie, d'où cet argent venait, et à qui cela venait, et cet argent. Il y a des spécialistes qui vont travailler avec ça. Si l'argent n'a pas quitté Coinbase, alors c'est là. Je peux tirer mon argent avec cette carte physique dans n'importe quelle machine automatique bancaire, mais les commissions, ça va dépendre des cartes et de la banque étrangère, parce que la commission, ils peuvent quand même la charger. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les cartes virtuelles? Cette option sera accessible? Alors, cette option de transfert, vous allez utiliser cette option pour utiliser les cartes. Ce sera très intéressant pour les processus business, pour les compagnies qui vont s'enregistrer en tant que personne juridique. La carte sera personnalisée, oui, avec votre nom, votre prénom, c'est correct. Pour ceux qui ont déposé leur questionnaire, vous pouvez la changer si c'est rejeté. Sinon, vous pouvez écrire dans le service technique de soutien technique de globalité, ça va prendre du temps, vous devez le comprendre. Parce que nous avons beaucoup d'appels, travaille là-dessus. Il y a des cas. Quelles commandes nous avons et ceux qui vont écrire dans le soutien, dans le service soutien, je veux changer mon questionnaire, cette option, ça ne sera pas accessible tout de suite. Alors, ceux qui ont reçu le refus, pour telle ou telle raison, ça peut arriver. Et les officiers spéciaux qui ont une éducation spéciale, ils ont des obligations de vérifier qui. Ces gens-là ne doivent pas vous indiquer la raison pourquoi les personnes étaient rejetées. Si par exemple il y a un certain Osama Ben Laden qui est dans la liste, il y a un terroriste, évidemment. La compagnie est vraiment, elle va avoir une amende et les gens qui ont accepté cette personne, qui ont enregistré, ils sont coupables tout simplement. Et si le refus est effectué, on est intéressé d'avoir des gens, nos partenaires dans le système. Mais si par exemple, il y a des situations, des mauvaises situations, des actions des fraudeurs, des histoires, de mauvaises histoires. Évidemment, le système ne va pas accepter cette personne. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser vos amis ou vos parents, vous pouvez faire des recommandations à vos amis et vous pouvez gagner même. Vous pouvez avoir des privilèges grâce au plan marketing, grâce au programme marketing de notre programme Average. Pour faire des transferts aux autres cartes, tout le monde connaît PayPal. Et PayPal, c'est une compagnie qui a des branches dans telle ou telle région où ils ont des licences
des banques centrales de tel ou tel pays, ils ont des possibilités de travailler avec des devises locaux, locales. Par exemple, lorsque nous allons avoir une compagnie aux Andes, nous allons travailler avec les roupies indiennes. On va ouvrir des comptes pour tout le monde en roupies. C'est la même chose avec la Russie, pour les autres pays. On travaille là-dessus, c'est dans nos plans. Évidemment, nous pensons que notre système bancaire, notre système de paiement va travailler un peu partout dans le monde. Alors, combien d'utilisateurs on a? 30 000, 30 000 utilisateurs. Il y a des gens qui ont été rejetés, désactivés. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, qui ont téléchargé des documents qui ne sont pas tout à fait corrects. Et il y avait des histoires quand même. On se perfectionne, nous. Et notre équipe grandit, on apprend, on forme nos personnes. Alors, il n'y a pas de questions. Alors, les gens quittent notre séminaire d'aujourd'hui. Je dois vous remercier pour votre temps et je dois bien vous remercier. Vous lisez les instructions, vous lisez les questions qui sont posées souvent. Je voudrais bien remercier nos spécialistes, nos interprètes, parce que tout le monde est là, on fait un grand travail. Ça, c'est notre mission. Et on essaie de nous perfectionner, faire tout de la meilleure manière. Et dans le contexte du soutien, si vous entrez sur le site PayPal, il n'y a pas de soutien sur ligne. Là où il y a des millions d'utilisateurs, c'est pas. Ça peut être aussi grand que toute notre compagnie. Il y a d'autres pas là-bas. Il y a des chats artificiels, des bots, des robots. Ça, c'est notre futur pas. Et nous, on est sur un grand chemin. Alors, mes félicitations à tout le monde. Alors, un peu de patience pour ceux qui n'ont pas encore passé la registration. Les cartes seront accessibles à tout le monde. Tout le monde pourra les avoir. Il y aura des cartes plastiques, or, platine, sans limite. Ce sera vraiment cool. Alors, chers amis, alors, mes félicitations à tout le monde. Je vous remercie. Je vous souhaite une journée magnifique à tout le monde. Peut-être vous vous êtes réveillé, sait-on jamais. Peut-être quelqu'un a déjà passé la nuit ou va au lit. Alors, bonsoir à tout le monde. Salut. Merci, elle nous souhaite une journée magnifique aussi.